Un cours en miracle, version intégrale, 60, chapitre 8.3. Le voyage de retour. 3. La sainte rencontre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et à toi parce qu'il l'a voulu ainsi. Demande et l'on te donnera, parce qu'on t'a déjà donné. Demande la lumière et apprends que tu es lumière. Si c'est la compréhension et l'illumination que tu veux, c'est ce que tu apprendras, parce que ta décision de l'apprendre est la décision d'écouter l'enseignant qui a connaissance de la lumière et peut donc te l'enseigner. Il n'y a pas de limite à ton apprentissage parce qu'il n'y a pas de limite à ton esprit. Il n'y a pas de limite à son enseignement parce qu'il a été créé pour enseigner. Comprenant parfaitement sa fonction, il la remplit parfaitement, parce que cela est sa joie et la tienne. La seule joie et la seule paix que tu puisses connaître pleinement, c'est de remplir parfaitement la volonté de Dieu, parce que c'est la seule fonction dont tu puisses faire pleinement l'expérience. Ainsi, quand celle-ci est accomplie, il n'y a pas d'autre expérience. Or le souhait d'une autre expérience bloque son accomplissement, parce que la volonté de Dieu ne peut pas être imposée, étant l'expérience d'un désir total. Le Saint-Esprit comprend comment enseigner cela, mais pas toi. C'est pourquoi tu as besoin de lui et pourquoi Dieu te l'a donné. Seul son enseignement délivre ta volonté à celle de Dieu, l'unissant à sa puissance et à sa gloire et les établissant comme tiennes. Tu les partages comme Dieu les partage, parce que c'est la conséquence naturelle de leur être. La volonté du Père et celle du Fils sont un, par leur extension. Leur extension est le résultat de leur unité, dont la cohésion est assurée par l'extension de leur volonté conjointe. Cela est la création parfaite par les parfaitement créés, en union avec le parfait Créateur. Le Père doit donner la paternité à son Fils, parce que sa propre paternité doit être étendue vers l'extérieur. Toi dont la place est en Dieu, tu as la sainte fonction d'étendre sa paternité en ne lui posant aucune limite. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner comment faire cela, car c'est seulement de Dieu lui-même que tu peux connaître ce que cela signifie. Quand tu rencontres qui que ce soit, souviens-toi que c'est une sainte rencontre. Comme tu le vois, ainsi tu te verras toi-même. Comme tu le traites, ainsi tu te traiteras. Ce que tu penses de lui, tu le penseras de toi-même. N'oublie jamais cela, car c'est en lui que tu te trouveras ou te perdras. Chaque fois que deux fils de Dieu se rencontrent, une nouvelle chance de salut leur est donnée. Ne quitte jamais personne sans lui avoir donné le salut et sans toi-même l'avoir reçu. Car je suis toujours là avec toi, en mémoire de toi. Le but du curriculum, quel que soit l'enseignant que tu choisis, est « connais-toi toi-même ». Il n'y a rien d'autre à rechercher. Chacun est à la recherche de soi-même ainsi que de la puissance et de la gloire qu'il pense avoir perdue. Chaque fois que tu es avec quelqu'un, tu as une autre occasion de les retrouver. Ta puissance et ta gloire sont en lui parce qu'elles sont à toi. L'ego essaie de les trouver en toi seul, parce qu'il ne sait pas où regarder. Le Saint-Esprit t'enseigne que tu ne peux pas te trouver si tu ne regardes que toi, parce que ce n'est pas ce que tu es. Chaque fois que tu es avec un frère, tu apprends ce que tu es parce que tu enseignes ce que tu es. Il répondra soit par la douleur, soit par la joie, selon l'enseignant que tu suis. Il sera emprisonné ou libéré, conformément à ta décision, et tu le seras aussi. N'oublie jamais la responsabilité que tu as envers lui, parce que c'est la responsabilité que tu as envers toi-même. Donne-lui sa place dans le royaume et tu auras la tienne. Il n'est pas possible de trouver le royaume tout seul, et toi qui es le royaume, tu ne peux pas te trouver seul. Ainsi, pour atteindre le but du curriculum, tu ne peux pas écouter l'ego, dont le but est de ne pas atteindre son propre but. Cela, l'ego ne le connaît pas, parce qu'il ne connaît rien. Mais toi tu peux le connaître, et tu le connaîtras si tu es désireux de regarder ce que l'ego voudrait faire de toi. Cela est ta responsabilité, parce qu'après avoir réellement regardé cela, tu accepteras l'expiation pour toi-même. Quel autre choix pourrais-tu faire? Ayant fait ce choix, tu comprendras pourquoi tu as cru autrefois qu'en rencontrant quelqu'un d'autre, tu pensais que c'était quelqu'un d'autre. Et chaque sainte rencontre dans laquelle tu entres pleinement t'enseignera qu'il n'en est rien.
tu ne peux rencontrer qu'une partie de toi-même parce que tu es une partie de Dieu, qui est tout. Sa puissance et sa gloire sont partout, et tu ne peux pas en être exclu. L'ego enseigne que ta force est en toi seul. Le Saint-Esprit enseigne que toute force est en Dieu et par conséquent en toi. Dieu veut que personne ne souffre. C'est sa volonté que personne ne souffre d'une mauvaise décision, toi y compris. C'est pourquoi il t'a donné le moyen de la défaire. Par sa puissance et sa gloire, toutes tes mauvaises décisions sont complètement défaites, vous délivrant, toi et ton frère, de toute pensée qui emprisonne tenue par n'importe quelle partie de la filialité. Les mauvaises décisions n'ont pas de pouvoir, parce qu'elles ne sont pas vraies. L'emprisonnement qu'elles semblent produire n'est pas plus vrai qu'elles ne le sont elles-mêmes. La puissance et la gloire appartiennent à Dieu seul. De même que toi. Tout ce qui lui appartient, Dieu le donne, parce qu'il donne de lui-même et tout lui appartient. Donner de toi-même est la fonction qu'il t'a donnée. La remplir parfaitement te permettra de te rappeler ce que tu as de lui, et par là tu te rappelleras aussi ce que tu es en lui. Tu ne peux pas être impuissant à faire cela, parce que cela est ta puissance. La gloire est le don que Dieu te fait, parce que c'est ce qu'il est. Vois cette gloire partout pour te rappeler ce que tu es.